Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter ce projet démonstrateur Olympie. Pour cela, je suis accompagné aujourd'hui de Christian Herrera, chef de projet Olympie, et de Christopher Cellier, consultant et formateur expert chez AppVent. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons aborder aujourd'hui donc plusieurs thèmes qui ont pour point commun la mise en application d'un processus BIM collaboratif dans un projet de 36 logements à Chartres. Alors, vous pourrez bien entendu poser vos questions pendant les présentations des différents intervenants. On a prévu un temps dédié pour y répondre à l'issue de ces présentations. Elles seront donc marquées par notre modérateur qui nous accompagne aujourd'hui, donc Pascal Fauché, qui est avec nous en régie pour traiter vos questions et les marquer afin qu'on puisse y répondre à la fin des présentations. Donc, je vais vous parler donc de ce démonstrateur pour lequel l'axe retenu est celui de la mise en place d'un dossier de consultation des entreprises orienté de manière à faciliter la rédaction des offres par les TPE-PME régionales donc de la région de Chartres, encore une fois. L'objectif étant de fiabiliser les coûts de construction en resserrant au maximum la variance des propositions. Variance, c'est-à-dire la différence entre le mieux-disant et le moins-disant. Donc nous avons travaillé à la fois, AppVent donc, a travaillé à l'accompagnement de ce projet dans plusieurs domaines. Tout d'abord avec l'équipe projet, donc menée par Christian Herrera, afin de déterminer les objectifs de projet et la stratégie qu'on allait utiliser pour mettre ça en application, bien entendu. On a également travaillé avec les maîtrises d'œuvre, donc les différents acteurs de la maîtrise d'œuvre, que ce soit l'architecte, donc Yannick Mouton, mais aussi les différents bureaux d'études, donc CRS pour la structure et Bastide Bondou pour les fluides. Il y a eu également pas mal de consultants externes, des acousticiens, et pas mal d'intervenants tout au long du projet avec qui on a bien entendu interagi. Dernier volet de notre accompagnement qu'on va traiter avec Christopher également dans un live qui sera dédié sur la partie production des pièces écrites et en lien avec les pièces graphiques. Mais donc dernier point, c'est l'accompagnement des TPE, PME dans l'appropriation de ce dossier de consultation des entreprises BIM et de la manière efficiente pour pouvoir se l'approprier et puis surtout rédiger leur offre. L'objectif étant d'extraire des quantités significatives et qualifiées à partir de cette maquette numérique. Le point intéressant du projet est vraiment qui le différencie, c'est une approche globale qui est orientée sur la constitution d'une chaîne de valeur qui vise donc avant tout à casser au maximum les silos d'information, puisqu'on a eu une approche d'amont et d'aval, c'est-à-dire de spécification des informations à mettre dans les maquettes pour l'acteur d'après, c'est-à-dire celui qui récupère et qui exploite ces maquettes-là. Je vais maintenant laisser la parole à Christian Herrera qui va vous présenter en détail les tenants et aboutissants de cette opération. Nous entendrons ensuite Christopher détailler les solutions AppVent que nous avons mis en place, ainsi que leur parfaite articulation. Et enfin, pour ma part, je vous présenterai la méthodologie que nous avons retenue pour transformer ce modèle BIM théorique en objectif mesurable et pertinent pour la maîtrise d'ouvrage, ainsi qu'en éléments concrets à mettre en œuvre lors de la conception et de la documentation du projet par la maîtrise d'œuvre. Christian, c'est à toi. Merci Gabriel. Donc je vais vous présenter au début de ce live le démonstrateur Olympie, ses objectifs, ses contextes, ses enjeux, pourquoi on l'a fait. Tout d'abord, ce démonstrateur a été souhaité par le plan BIM 2022 et il est porté par l'USH et Procivis et on est accompagné tout au long du projet par ADN Construction. Alors, c'est quoi ce démonstrateur? Gabriel en a un petit peu parlé. Il est centré sur l'appel d'offres. En effet, en BIM, on a souvent parlé du cahier des charges de maîtrise d'ouvrage, des conventions BIM, de la phase conception. Et puis après, on saute du DCE BIM et on saute résolument vers le DOE. Mais si on fait un DCE, c'est pour un usage. Et cet usage, il est lié à l'appel d'offres, la réponse des entreprises. Et donc, on s'est attaché à l'usage du DCE. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de regarder l'objectif si il y avait une pertinence et une efficience de créer un DCE numérique BIM pour l'appel d'offres et que ces gains soient tout à la fois pour les TPE, entreprises TPE, mais également la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. En bref, le BIM pour tous. À travers ça, on veut également identifier les gains
d'efficacité, de qualité, des gains financiers, d'efficience, mais également les impacts, les freins, les contraintes et les points de vigilance pour y arriver. Le phasage que nous avons retenu, mais puisqu'il s'agit d'un usage, il faut partir de celui qui a l'usage, qui a besoin qui a besoin de ici du DCE. Donc, ce sont les entreprises. Et on a commencé par regarder et identifier les besoins et attentes des entreprises pour un DCE, et plus particulièrement un DCE numérique. Ceci a été fait au mois de mai et juin. Puis, l'équipe de maîtrise d'œuvre a travaillé pour produire un DCE numérique BIM cible, avec un processus dont on va parler tout le long de notre live, également dans les prochains, sur le BIM. Un BIM collaboratif optimisé avec des outils disponibles et surtout avec une approche pragmatique et reproductible. Il ne s'agit pas de faire un chantier d'exception, vous allez voir, c'est un chantier 36 logements. Il fallait le faire avec des outils et des méthodologies pragmatiques, un bon sens, un bon Excel va très très bien si ça passe par un Excel et reproductible. Également, à l'issue, il s'agira d'exploiter ce DCE par les entreprises pour l'usage d'études de prix. On va y revenir. Et à la fin du projet, qui se passera sur ce projet-là sur le mois d'avril-mai, établir les retours d'expérience, partager et communiquer. On est donc, cette live que nous faisons est au milieu du gué. Nous avons fini la première partie, les besoins. On a fini le DCE. Les entreprises, vous allez voir, répondre pour le 12 mars. On est au milieu du gué. Olympie, c'est quoi d'abord? Olympie, c'est une opération de Pierre et Territoire, de Procivis Eure-et-Loir, que Procivis Eure-et-Loir nous a proposé comme terrain de jeu. Un certain jeu, hein? Mais terrain d'expérimentation. Donc, ce sont 36 logements collectifs à Chartres, chauffage mixte, électricité, gaz, un prix très attractif. Donc, à 1 heure de Paris, Procivis a un rôle social. Il s'agissait d'avoir un prix très attractif. Donc, on reste dans un prix compétitif. L'appel d'offres a été lancé au niveau des entreprises le 16 décembre par un webinaire pour que le maître d'ouvrage présente à la totalité des entreprises ses objectifs, qu'est-ce qu'il voulait faire à travers ce démonstrateur. Puis, le 8-12, le DCE a été mis en ligne sur BIMOffice. Les entreprises sont en train de répondre pour une clôture des offres pour le 12 mars. Et le lancement des travaux seront faits sur le mois de mai pour une libération de l'opération sur la fin de l'année 2022. À noter qu'en amont du projet, pour la commercialisation, la première maquette qui a été utilisée, c'est une maquette de 3D IMO, qui est une maquette à usage commercial, qui a utilisé la maquette en amont de l'architecte pour gagner énormément de temps pour récupérer ces éléments pour en faire un usage commercial. Donc, le premier élément est fait au mois de mai-juin, ce sont les besoins des entreprises TPE-PME. Ceci a été fait à travers un échantillon d'entreprises de la FFVCAPEB, représentative de 11 lots différents. Et de taille d'entreprise différente, d'une entreprise de 3 personnes à 49 personnes. Le premier élément que demandent les entreprises avant de demander un DCE BIM, c'est un DCE de qualité. Qu'il soit 2D, qu'il soit BIM, il doit être de qualité. Pour elles, elles qualifient ce DCE comme un DCE fiable, viable, pertinent et cohérent. Donc fiable, c'est que s'il y a écrit 2, c'est 2, quoi. Si c'est viable, il n'y a pas d'erreur de conception. On ne découvre pas en phase de chantier qu'il y a une gaine qui ne passe pas. Globalement, il est viable, il se tient, le projet se tient, il est correct. Pertinent, si on a de la donnée, c'est la bonne donnée. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez, c'est la bonne donnée dans la bonne unité. Et cohérent, puisque le DCE est un ensemble de beaucoup de pièces, mais les pièces sont cohérentes entre, par exemple, le rapport acoustique et ce qu'on va retrouver dans la maquette, par exemple. Également, un RICT sans observation, non pas parce que le bureau de contrôle n'en fait pas, mais parce que les observations sont intégrées au projet. Ça veut dire une itération. Le bureau de contrôle pour l'Olympie, 15 jours avant le DCE, a eu les opérations, a pu faire les observations, et il y a eu 3 itérations
pour arriver à lever toutes les observations. Et donc, le DCE en main des entreprises n'a pas d'observation parce qu'elles sont intégrées et non pas 6 pages d'observation où l'entreprise ne sait pas ce qu'elle doit faire. Ça, c'est la qualité. Concernant particulièrement la partie BIM cible, les entreprises nous ont expliqué quel est leur processus. Vous voyez une photo, par exemple, on prend les dossiers, on regarde les plans, on comprend le projet, ensuite on comprend ce qu'on nous demande de faire. Derrière, on va localiser en couleur de stabilo les dimensions. Ici, c'est, par exemple, c'est pour le carrelage. On va mesurer et on va quantifier. En bref, elles ont demandé, si possible, que le BIM permette de garder ce processus qui est un processus logique, quel que soit le métier. Quelles que soient les 11 entreprises LO qui ont été concernées, c'est le même processus. Seul change l'unité ou la donnée d'œuvre. Et donc, l'entreprise souhaite, à travers le DCE numérique, s'approprier le projet. Évidemment, le BIM est magnifique, le 3D est magnifique. On tourne autour du bâtiment, on regarde ça, on peut rentrer dans le bâtiment, faire des coupes, prendre des dimensions. C'est évidemment beaucoup plus ludique que tout ce qui est plan et coupe et façade. Derrière, c'est de qualifier les ouvrages et prestations. Nous avons choisi de le faire, non pas en mettant toutes les données dans la maquette, mais en travaillant, en liant le CCTP DPGF, qui est fourni et rempli, à la maquette. En effet, si on veut être reproductible, il fallait des choses qui soient faciles à faire, et donc ce qu'on a facile à faire, ou relativement facile à faire, c'est-à-dire lier le CCTP à la maquette. Derrière, une fois que l'entreprise a localisé son lot, elle a du carrelage 40-40 dans la salle blanche, je ne sais pas quoi, mais elle veut le localiser. C'est ce qu'il y a en couleur sur la photo. Donc, quelque part, en liant le CCTP à la maquette, ça permet de localiser. Derrière, c'est quantifié, récupérer de la maquette des quantités. C'est au moins un des avantages du numérique, de pouvoir récupérer des quantités et derrière, pouvoir chiffrer. Donc, un DCE de qualité et un processus métier qui est respecté à travers un DCE numérique BIM. Derrière, la maîtrise d'œuvre a œuvré pour répondre à cet objectif qui était intégré au cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage qui avait un seul objectif, fournir un DCE numérique BIM cible aux entreprises. Cible parce qu'il répondait à ce qu'on a vu tout à l'heure, la qualité et les différents le processus qu'on a vu tout à l'heure. Cette équipe de maîtrise d'œuvre sont des TPE-PME d'Eure-et-Loire. L'architecte qui a travaillé sur Advent, qui travaille depuis des années là-dessus et travaille tout seul, par exemple. Le plus gros bureau d'études, ils sont une dizaine maximum. Donc, ce sont des TPE. Ces TPE n'avaient pas une maturité BIM. Certes, certains travaillaient sur l'architecte, par exemple, sur Archicad, mais par exemple, le bureau d'études structure avait travaillé sur Revit, mais uniquement pour une opération. Donc, ils n'avaient pas de maturité et surtout pas de maturité de travailler ensemble. Donc, c'est du BIM au maximum du BIM de niveau 1. Par contre, sachez que le projet, grâce à la motivation, premier lieu du maître d'ouvrage qui a apporté un dynamisme pour vouloir ça, et qui a tiré l'équipe de maîtrise d'œuvre, la totalité des acteurs de la maîtrise d'œuvre a touché du doigt le BIM et a utilisé le BIM et la maquette, y compris le CSPS, la veille de partir à sa retraite. Cette maîtrise d'œuvre a travaillé à produire des maquettes. Nous avons aujourd'hui 6 maquettes. Une maquette géomètre qui a été faite sous Revit, par le géomètre, une maquette architecture qui a été faite par l'architecte sur Archicad avec des outils associés à Atlantis, BIMTrack et BIMOffice, vous allez voir. Une maquette structure, c'est Restructure à travers Revit. Une maquette fluide sur Trebel Nova, la partie CVC et électricité associée à un logiciel lié pour sortir les CCTP et DPGF. Une maquette également VRD sous Covadis, qui vous voyez en bas à gauche, pour faire tout ce qui est les déblais et remblais. Également, le bureau de contrôle travaillait sur un outil Caliesi qui, lié à FBIM, permet de pouvoir porter les observations du bureau de contrôle dans les maquettes. Donc, un ensemble de 6 maquettes. Pour travailler là-dessus, pour pouvoir coordonner les actions, pour pouvoir échanger, collaborer, un outil a été privilégié qui est BIMTrack
Gabriel va vous en parler. Et tous ces outils se retrouvent dans le DCE à travers BIMOffice. Ceci a pris globalement 3 mois à la maîtrise de 4 mois à la maîtrise d'œuvre en Covid, avec uniquement 3 réunions en présentiel et une partie des acteurs en présentiel. Et donc, on a fait ça de façon très numérique, malheureusement, Covid aidant. Enfin, le plan BIM 2022 a été soucieux, également les acteurs et l'Union en particulier, l'USH en particulier, a été soucieux de pouvoir donner un DCE BIM exploitable pour les entreprises. Il ne s'agissait pas de déverser un DCE et débrouillez-vous. On a pensé que les entreprises TPE-PME, 102 qui ont été consultées pour l'appel d'offres, n'avaient pas une maturité BIM. Et même pour certaines, puisqu'on les a eu au téléphone, on les a eu à travers la plateforme, Christopher va vous en parler, n'avait jamais entendu parler de BIM. Ça existe encore aujourd'hui, les entreprises ne savent pas forcément ce que c'est que le BIM. Et donc, l'accompagnement qui a été fait sur 2 parties, une partie sur l'utilisation de la plateforme BIMOffice pour télécharger pour l'instant le projet, pour répondre en ligne, pour demain poser les questions, pour demain pouvoir signer d'une façon dématérialisée à travers un guide d'utilisation et une aide en ligne d'Advent, on va y revenir. Également, pour que les entreprises puissent récupérer et utiliser au maximum le BIM, l'action 5.5 du plan BIM 2022 a produit 6 tutoriels, les 2 premiers de façon générique, assez large, et 4 autres qui sont plus métiers, pour pouvoir donner aux entreprises la capacité d'exploiter au mieux les maquettes pour s'approprier le projet, pour qualifier les ouvrages, pour les localiser et pour les quantifier. Et à travers ça, outre ces tutoriels, il y a un guide d'installation, un guide méthodologique et une aide en ligne qui permet à la personne surtout de se débloquer lorsqu'elle est bloquée. Et ça a été très utile et c'est encore utile puisque les entreprises répondent. Très bien, merci Christian. Donc je prends le relais, je suis Christopher Cellier. Je suis consultant formateur dans le cadre du projet Olympi. Donc je travaille pour Advent. Moi, du coup, je dois vous présenter les solutions qu'a apporté Advent dans le cadre de ce démonstrateur Olympi. Alors, en fait, Advent a apporté 2 types de solutions de soutien dans le cadre du projet Olympi, avec à la fois d'un côté des solutions logicielles. Donc, je vous expliquerai tous les logiciels qu'on a proposés dans le cadre de cette opération, et aussi des services. Donc, pareil, je vous ferai le détail de tous les services qu'on a proposés et comment, du coup, ces services ont apporté une réponse globale aux questions soulevées dans le cadre du projet Olympique. Alors, on différencie d'abord, du coup, les logiciels en parlant donc d'Archicad, d'Atlantis, de BIMOffice et de BIMTrack. Donc, je vais vous faire le détail de chacun de ces logiciels, on va regarder ce que vous proposent ces différents outils. Et en complément donc, de ces logiciels, nous avons aussi proposé Advent Formation, Advent Cloud et Advent Prestation. Donc là, pareil, je vous ferai le détail. Et ensuite, on aura une vision un peu globale des interactions qu'il existe entre toutes ces solutions et ce qu'elles ont pu apporter dans le cadre du projet Olympique. Alors, pour commencer, Archicad. Archicad, c'est un logiciel qui va aider toute la maîtrise d'œuvre en général, que ce soit les architectes, les maîtres d'œuvre, peut-être des archis d'intérieur, des décorateurs, à concevoir des projets en BIM. Alors, comment est-ce qu'on va aider la maîtrise d'œuvre à concevoir des projets? Ben, simplement en mettant à disposition des outils architecturaux tels que des murs, des dalles, des poteaux, des poutres, des toitures, des escaliers, des fenêtres, bon, tous les petits pictos que je vous ai mis à l'écran, pour concevoir du coup une maquette BIM. À partir de cette maquette BIM, du coup, on va pouvoir documenter, donc créer à la fois des plans, des coupes, des élévations. Bien entendu, on va pouvoir aussi annoter, étiqueter et coter ces éléments pour générer donc des plans exploitables et consultables à l'extérieur de cette maquette BIM. Bien entendu, cette maquette BIM, va aussi permettre à nos utilisateurs d'analyser et de réaliser une synthèse technique de leur projet. Dans le cas du démonstrateur Olympi, par exemple, il y a des maquettes en IFC qui étaient faites sur d'autres outils, qui étaient récupérées dans la maquette Archi pour vérifier
l'adéquation de la solution technique par rapport au projet architectural. Enfin, dernière chose, l'intérêt de cette maquette BIM, c'est de mettre en place un modèle 3D interactif et numérique qui va permettre de visualiser le projet dans son environnement. À partir de cette maquette, du coup, on va pouvoir ensuite proposer, on a pu proposer notre solution qui est Arfantis, qui permet de visualiser le projet. Là, pour schématiser, on a dans un premier temps une maquette BIM avec plein de paramètres dedans, plein de données, par exemple des degrés coupe-feu sur des portes, sur des fenêtres ou sur des cloisons. Et ensuite, bah, simplement, on va prendre cette géométrie pour faire un rendu et du coup, donc rendre exploitable cette maquette, en tout cas exploitable pour faire de la visualisation. Alors, là, je vous ai mis un exemple. Donc, c'est simplement la maquette Archicad qui a été transposée, transférée dans Arfantis. Et donc, vous voyez que Arfantis permet donc, de visualiser le projet dans un environnement photoréaliste en simulant à la fois les effets de matière et les effets de lumière pour pouvoir avoir une vision qui se rapproche le plus possible de la réalité, pour donner à voir ce qui va être construit par la suite. On a proposé aussi donc une autre solution, une troisième solution logicielle qui est BIMOffice. Donc BIMOffice permet de quantifier et d'écrire le projet. Alors, c'est une toute petite partie de ce qu'on propose dans BIMOffice, quantifier et d'écrire. Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'on fait dans BIMOffice. Alors, là, pareil, comme pour Arfantis, en fait, on utilise la maquette Archicad avec toutes les données qui sont présentes dedans pour pouvoir générer, entre autres, du CTP, du TPGF, mais aussi, bien entendu, tous les documents de consultation, tels que du planning et autres. Je vais vous expliquer tout ça très rapide. BIMOffice, c'est une base de données qui permet donc de partager l'ensemble des données de base du projet. Ces données donc, vont pouvoir nous aider pour mettre en place donc, notre étude technique avec donc, la création des CTP et des DPGF à partir d'une structure de données unique. Donc ça, c'est important. La plupart des clients et des prospects qu'on rencontre n'utilisent pas forcément de base de données. Ils ont l'habitude peut-être d'utiliser du Word et de l'Excel pour générer leur CTP et leur DPGF pour mettre en place ces documents. Et bien, parfois, lorsqu'ils n'utilisent pas de base de données, on peut se rendre compte qu'il y a des incohérences dans leurs études. Un exemple tout simple, on pourrait très bien avoir un article qui soit décrit dans le CTP, mais qui ne soit pas présent dans le DPGF. Et inversement, là, en travaillant sur une base de données unique, du coup, ces données sont automatiquement partagées pour générer ces deux types de documents. BIMOffice va aussi permettre de suivre toute la partie appel d'offres, donc en générant les plannings de consultation, en mettant en place les CCAP, les RPAO, tous les courriers de consultation des entreprises, les mails aussi de consultation des entreprises, mais aussi en créant des accès aux entreprises à cette base de données. Donc là, c'est ce qui a été fait côté maîtrise d'ouvrage. Donc, je vous expliquerai le principe par la suite. Simplement, c'est que la base de données BIMOffice se trouvait sur un serveur qui était exploitable, accessible depuis n'importe où sur Internet. Et du coup, simplement, les entreprises venaient se connecter à cette base de données et venaient en fait répondre en ligne directement sur la base du maître d'ouvrage. Quel intérêt? C'est que par la suite, on va pouvoir du coup générer très facilement tout ce qui est tableau comparatif des offres et attribuer les lots aux entreprises pour ensuite basculer sur la partie gestion de chantier. Donc avec la gestion de chantier, ça va être très simple, on va pouvoir faire tout ce qui est pilotage de chantier et administration des travaux, donc tout ce qui est marché de travaux, proposition de paiement, ordre de service, planning de... Ah, vous m'avez perdu. Ah ah. Vous m'avez... Ok. Donc, je continue, c'est bon, vous m'avez retrouvé? Ok, super, ok, merci. Donc, du coup, je vais reprendre un tout petit peu en avant. Une fois qu'on a terminé l'appel d'offres, on peut suivre la partie gestion de chantier et enfin toute la partie gestion d'agence. Donc, gestion de chantier, c'est tout ce qui est marché de travaux, proposition de paiement, de services, compte rendu et gestion d'agence, c'est tout ce qui est contrat de maîtrise d'œuvre et note d'honneur. Voilà. Alors, une fois qu'on a proposé cette solution, on a aussi proposé BIMTrack. Donc là, pareil, je vous ai fait un petit schéma. Donc, on a toujours notre maquette BIM dans laquelle on a beaucoup de données. Et l'intérêt de BIMTrack, c'est de collaborer sur cette maquette en les mettant en parallèle avec des maquettes, peut-être du bureau d'études structure, et de gérer des sujets sur cette maquette. Donc, ça va permettre en fait donc de partager ces différentes maquettes, mais aussi donc de gérer ces différents sujets au travers d'une plateforme web. Qui va permettre de visualiser là où les maquettes et de créer des sujets. Ça, Gabriel pourra vous en parler dans un autre live.
On a fini sur la partie gestion sur les logiciels qu'Advent a proposé dans le cadre de ce démonstrateur olympique. On va passer sur la partie service. Donc, le premier service qu'on a proposé, c'est Advent Formation. Donc, Advent Formation permet à nos utilisateurs de progresser sur nos outils. Là, les formations qu'on a proposées s'articulaient autour d'Archicad et de BIMOffice. Alors, on a proposé des formations à deux personnes de l'équipe de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. D'abord, Justine Groco, qui travaille pour Procivis, donc le maître d'ouvrage et qui est assistante de promotion, et Yannick Mouton, donc l'architecte de l'opération. Bien entendu, ces deux interlocuteurs n'ont pas suivi les mêmes formations. D'un côté, on a donc Yannick Mouton qui a suivi une formation sur Archicad, où on lui a expliqué comment adapter, comment préciser les données dans sa maquette pour qu'elles puissent être exploitables dans le cadre de mise en place de CTP, de la CTP des DPGF. Et il a aussi suivi des formations sur BIMOffice pour voir comment est-ce qu'on récupère les données dans BIMOffice, les données qui venaient d'Archicad. Justine Groco a suivi des formations uniquement sur BIMOffice et sur la partie appel d'offres pour voir comment est-ce qu'on crée les accès aux entreprises sur la plateforme en ligne pour que les entreprises puissent venir répondre donc directement en ligne et surtout comment consulter les réponses qui ont été déposées, les analyser pour ensuite mettre en place les tableaux comparatifs des offres. On a donc un deuxième service aussi qui a été proposé dans le cadre de ce démonstrateur olympique qui est Advent Cloud qui permet de diffuser très facilement l'information. Alors, Advent Cloud, c'est une solution qui s'appuie sur deux solutions. Alors, on a une solution pour spécifiquement BIMOffice. Donc là, aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur BIMOffice. On ne va pas du tout parler d'Advent Cloud pour BIM Cloud, qui est un service pour Archicad. Donc, dans le cadre du démonstrateur olympique, en fait, on met à disposition un serveur hébergé, donc comprenant l'administration et la maintenance, et surtout qui permet du coup de collaborer, de faire collaborer les différents intervenants sur le projet et de partager du coup toutes ces données. Donc, quel est l'intérêt dans le cadre de ce projet Olympique? Ben, simplement, si on se met dans un processus non BIM et non collaboratif sur un projet, pour schématiser, au moment de l'appel d'offres, que ce soit la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, on collecte tous les devis, donc on récupère tous les devis, que ce soit en PDF, en mail ou autre, que les entreprises nous envoient. On refait les petits tableaux et on complète des tableaux manuellement. Donc, on perd pas mal de temps. C'est énormément chronophage cette partie pour pouvoir générer nos tableaux comparatifs des offres. Eh bien, grâce à Advent Cloud, cette étape, en fait, se fait totalement automatiquement. Les entreprises, en fait, viennent se connecter directement sur la plateforme pour déposer leurs devis. Et ensuite, on propose à l'utilisateur de générer les tableaux comparatifs des offres. Bien entendu, leur voir apparaître dans ces tableaux comparatifs si vous avez des entreprises qui sont complètement hors du cadre que l'on avait prévu. Ensuite, on a un dernier service qu'on a proposé, c'est Advent Prestation. Donc, Christian vous en a déjà un petit peu parlé dans sa partie, donc, qui permet de sécuriser nos utilisateurs. Alors, on a proposé en fait trois accompagnements différents dans le cadre d'Advent Prestation. D'abord, un accompagnement pour Procivis au niveau donc, de la mise en place de modèles, notamment de courrier pour les entreprises. L'intégration de données des bureaux d'études techniques directement dans la base de données pour qu'on puisse collecter les réponses des entreprises. Ensuite, on a proposé un accompagnement à Protea Conseil pour un audit sur les retours qui nous ont été faits de la part des entreprises. Du coup, on est en train de faire un audit de ces retours entreprises pour proposer ensuite cet audit exhaustif à Protea Conseil. Et enfin, dernière chose, on a proposé un accompagnement aux entreprises avec d'abord des guides d'utilisation de BIMOffice et aussi une adresse mail dédiée pour le support technique. Les entreprises qui avaient n'importe quel doute pendant la saisie de leur réponse pouvaient écrire à l'adresse support.olympia@abden.fr et on leur répondait dans les meilleurs délais. Alors, maintenant que vous avez tout le schéma en tête de tout ce qu'on a proposé, simplement, j'ai schématisé tout cela dans un petit schéma pour comprendre les flux de données en fait, qu'on échange entre nos différents outils. D'un côté, on a une maquette Archicad qui permet de créer la maquette BIM qui va pouvoir être exploitée donc, dans BIMTrack, qui est le logo qui se trouve en bas, pour gérer tous les sujets, toute la collaboration sur la maquette. Les données qui sont traitées dans BIMTrack peuvent être aussi traité dans BIMOffice et depuis BIMOffice, on peut aussi connecter BIMOffice à Archicad. Donc, du coup, vous voyez qu'on a un échange de données tridirectionnel entre nos différents outils.
Arfantis arrive après ArchiCAD, puisqu'on prend simplement la maquette qu'on a mise en place dans ArchiCAD pour la visualiser dans Arfantis, et BIMOffice peut collecter du coup les devis des entreprises au travers du service AdventCloud pour BIMOffice que je vous ai expliqué juste avant. Voilà, j'en ai fini sur cette partie. Du coup, je vais passer la main à Gabriel. Merci Christopher, merci Christian pour ces présentations. Donc on a bien compris au travers de vos deux présentations à la fois les enjeux du projet démonstrateur ainsi que les interactions qui peuvent exister entre les différents outils Advent en support évidemment des besoins du métier. Et puis on a pu apercevoir les différents volets d'accompagnement proposés par Advent. Je tiens à démarrer en introduction en vous indiquant qu'on a également une série de webinaires plus techniques qui vont détailler un peu le contenu de l'accompagnement pédagogique qu'on a pu faire sur ce projet. Donc c'était assez particulier parce que évidemment la situation sanitaire étant celle que l'on connaît, Advent a dû faire preuve d'agilité comme tout le monde, hein, évidemment en France et puis pas que en France d'ailleurs, et devoir un peu renouveler notre offre d'accompagnement, ce qui nous a permis de réfléchir à l'opportunité de proposer ces actions de formation en situation de travail, en situation opérationnelle. Donc on a profité d'une des spécificités d'Advent, c'est-à-dire d'avoir dans nos consultants des architectes et des ingénieurs qui comprennent évidemment parfaitement les enjeux de vos métiers, qui les connaissent, qui peuvent vous faire partager les différents retours d'expérience. Et puis au travers d'un accompagnement projet, on a pu déterminer exactement à quel moment était tel ou tel besoin, et c'est vraiment quelque chose qu'on détaillera dans les prochaines présentations, la prochaine étant donc après-demain. Advent donc a tenu à accompagner ce projet pour de multiples bonnes raisons que je vais vous exposer maintenant. Tout d'abord, la première raison qui était particulièrement importante pour nous, c'était de démontrer la pertinence de l'offre d'accompagnement proposée par Advent à ses utilisateurs, et ce en situation opérationnelle. C'est-à-dire qu'on est on n'est pas sur des formations longues et théoriques. On est vraiment sur des formations opérationnelles dédiées à des problématiques que vous allez rencontrer au quotidien. Et ça nous permet et ça nous a permis de confirmer donc les valeurs fortes du groupe Advent relatives à l'intimité au nouveau métier de l'architecture. Alors, en effet, c'est en accompagnant la montée en compétences des architectes et de leurs partenaires, hein, que ce soit le maître d'ouvrage, les bureaux d'études, les consultants, les entreprises, qu'on met à profit notre expertise pour apporter de la valeur à nos utilisateurs. Donc, c'est pas uniquement donc de la solution informatique, c'est vraiment de cette intimité nous permet de répondre vraiment exactement à vos besoins. Une autre bonne raison pour Advent de participer à ce projet-là, c'est l'implication des organisations professionnelles dans ce projet, qui nous est apparu comme une opportunité incroyable d'accompagner finalement les besoins du secteur et d'intégrer directement dans les outils qu'on propose des solutions qui sont importantes pour les professionnels français. Et français, c'est important parce que il est important de pouvoir adapter les outils à des besoins, et les besoins d'un architecte français ne sont pas les mêmes qu'un architecte allemand, luxembourgeois, anglais ou américain. Donc cette démarche, cette proximité finalement entre l'éditeur et son marché est encore un peu trop timide en France dans le secteur de la construction. Et pourtant, en France, on a un ensemble d'acteurs innovants qui réfléchissent à proposer des solutions adaptées qui permettent d'améliorer la fluidité des processus qui sont quand même assez complexes dans le secteur de la construction. Donc il y a tout un secteur de start-up et de French Tech à laquelle participe bien entendu Advent qui sont des chances pour ce marché et qu'il faut ne pas hésiter à solliciter dans ce type d'action. Et là, c'est le message vraiment, s'il y en a un pour nous auprès des organisations professionnelles, c'est celui-là, quoi. C'est de voir les éditeurs comme des partenaires et pas comme des gens qui viennent uniquement pour pousser des boîtes, quoi, parce que c'est pas du tout l'approche qui est la nôtre. Ce type de projet enfin est essentiel, ce projet démonstrateur, parce que ça permet à la fois de proposer une démarche reproductible par les professionnels mais qui est aussi efficiente et en cohérente par rapport aux pratiques, hein, des utilisateurs. Donc Advent avait pour mission initiale d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre dans la mise en œuvre du BIM pour l'opération. Donc ici, vous pouvez voir à l'écran la lettre de mission, hein, envoyée par Christian sur ce sujet-là. Donc partant des objectifs déterminés par Christian Herreria et le plan BIM 2022, Advent a apporté une assistance opérationnelle en ayant plusieurs casquettes, c'est-à-dire en jouant à la fois le rôle de facilitateur BIM,
C'est un terme que l'on préfère à celui de BIM Manager ou d'AMO parce que c'est plutôt une approche multi-casquette, bienveillante dans le sens où c'est accompagné par des actions pédagogiques et l'idée c'est d'y aller vraiment tous ensemble, quoi. C'était une valeur forte que l'on avait. Donc le rôle de facilitateur BIM, c'est à la fois donc, un rôle de conseil auprès de la maîtrise d'ouvrage, également de l'équipe projet, du démonstrateur Olympi, mené par Christian, mais c'est également le rôle d'animateur de la démarche BIM auprès de la maîtrise d'œuvre. Et là, ça s'apparente vraiment à la mission de BIM Management, de manière plus classique. Donc la démarche qu'on a adoptée pour le projet est la suivante. Tout d'abord, on a déterminé quel était le point central du démonstrateur, ce qui est la constitution du DCE, qui, comme l'a expliqué Christian, devait être de qualité, fiable, viable, pertinent, cohérent. Donc derrière ces qualitatifs se cachent finalement des actions à mener, à transcrire, c'est-à-dire pour s'assurer que le DCE est cohérent, il faut évidemment faire de la coordination, c'est-à-dire comparer les modèles des différents acteurs et s'assurer que effectivement les données contenues sont fiables, de qualité et que l'ensemble constitue un tout pertinent et donc le process soit viable. On a ensuite donc cartographié le processus de manière à identifier les différentes interactions entre les contributeurs et les prérequis pour chacun de ces acteurs, c'est-à-dire de quelles données il avait besoin et quelles données il allait produire, qui allait utiliser ces données, qui allait valider, à quel moment. Donc il y a toute une cartographie de processus finalement que je détaillerai d'ailleurs dans les prochains lives sur le sujet, qui a été réalisé avec un outil gratuit qui s'appelle YED, et selon une notation qui s'appelle le BPMN, si ça vous intéresse. Donc on pourra traiter ce sujet dans une prochaine présentation. Donc cette cartographie permet d'identifier les tâches et les enchaînements. On a également mis en cohérence avec le planning de l'opération, c'est-à-dire on a mis en cohérence aussi la publication des maquettes, leur contrôle, la prise en compte et la correction, tout ça par rapport à un planning de projet qui n'était pas cohérent de déplacer. Le BIM doit évidemment s'adapter à un calendrier de projet plutôt que l'inverse. Donc la thématique du DCE, c'est la thématique qui a été choisie. Évidemment, il aurait été possible de mener ce travail sur d'autres thématiques, comme par exemple la coordination du projet en phase de conception, le suivi des travaux, voire la mise en exploitation en maintenance du bâtiment. En pratique, donc, pour déterminer les attentes techniques, on a mis à plat tous les processus et puis on a formalisé les attentes au travers de la rédaction et de la communication de ce qu'on appelle une convention BIM, qui reprend, qui décrit à la fois donc, l'organisation du projet, qui rappelle les objectifs retenus pour ce projet, l'infrastructure logicielle en place, les grands principes de modélisation et de contrôle à effectuer sur les différentes maquettes, donc qui, quand, quoi, et tous ces points-là. Et puis, cette convention comporte des annexes qui servent à détailler les attendus géométriques, aussi bien la précision de modélisation que les propriétés, la sémantique portée par les objets BIM du projet. Il a fallu ensuite organiser l'accompagnement efficace et opérationnel de la maîtrise d'œuvre afin de parvenir à produire les livrables qui étaient attendus. Les livrables étant des maquettes numériques renseignées devant permettre aux entreprises de rédiger leur offre en faisant ce qu'on appelle des extractions de quantités qualifiées à l'aide des maquettes IFC. Donc on a finalement déterminé des séquences, des points d'étape, la production des maquettes, les contrôles et autocontrôles, la correction, donc là c'est vraiment presque de la cuisine interne maquette numérique, de manière à pouvoir ensuite utiliser ces maquettes pour faire de la coordination de projet, c'est-à-dire vérifier les passages de gaines, vérifier les techniques constructives, etc. etc. Donc c'est les maquettes qui ont été utilisées principalement dans ce processus-là, c'est-à-dire qu'on a utilisé les maquettes pour déterminer des volumes de terre, des choses comme ça, mais sans pour autant exclure totalement l'utilisation de PDF et de plans 2D plus classiques. C'est évidemment, ça n'exclut pas, le BIM n'exclut pas ces processus plus traditionnels.
Donc en pratique, AppVent a mis à disposition la plateforme BIM du projet, donc en l'occurrence BIMTrack ici, et a animé le processus de coordination BIM. Alors Covid oblige, on a évidemment largement utilisé tout ce qui est revue à distance, donc conférences, visioconférences pour ces revues. Donc revues de maquette, revues de projet ont été préparées. D'abord les revues de maquette, les corrections à apporter, et puis des revues de projet qui permettent de fiabiliser hein, le DCE avec la cohérence des maquettes numériques à la fois entre elles, mais aussi avec la réalité de la construction envisagée. Donc la plateforme BIMTrack ici nous a permis de tenir ces revues de maquette et de projet et de faciliter surtout la compréhension des points de non-conformité qui avaient été détectés. Ces contrôles de maquettes ont permis donc non seulement de renforcer la cohérence des maquettes dans leur objectif, hein, dans l'objectif qu'on avait déterminé, c'est-à-dire utilisé par les entreprises, les TPE-PME, mais ça a également permis d'anticiper des problématiques constructives hein, fortes. J'en parlais, tout ce qui est interface et vraiment bénéficie énormément de l'utilisation de maquettes numériques. Ça, aussi bien en termes de problématiques détectées que de rapidité de la présynthèse, c'est vraiment un intérêt fort hein, dans le BIM d'utiliser ces maquettes-là. Je vous invite vraiment à pratiquer, à expérimenter, avec ou sans notre aide, ces processus-là. Vous verrez, c'est assez convaincant et bluffant. On a également mis en place donc, des tableaux de bord. Ces tableaux de bord permettent de voir l'implication des différents acteurs, c'est-à-dire qui fait quoi à quel moment. On peut prendre le pouls du projet grâce à une espèce d'encéphalogramme que vous pouvez voir ici, donc qui s'est connecté, qui a fait telle ou telle tâche, donc c'est rappelé par ce tableau de bord. Et puis l'édition de rapport qui permet de voir, donc comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à droite, on a une montée, une incrémentation du nombre de sujets actifs et résolus sur le projet. On a quelques graphiques là, sous forme de camembert qui indiquent les différentes disciplines concernées par les questions hein, en cours. Et puis, vous pouvez le voir avec les captures d'écran, on documente l'ensemble des points à traiter de manière à faciliter le suivi hein, et l'avancement de ces, du BIM finalement dans le projet et aussi de la coordination. L'élaboration des maquettes BIM s'est faite progressivement, j'en parlais, au travers de contrôles effectués sur ces maquettes, donc des contrôles intermédiaires, à la fois sur les maquettes de l'architecte, mais aussi sur les bureaux d'études structure et fluide. Hein. C'est des contrôles qui sont à la fois géométriques, donc s'assurer de la modélisation. On peut voir là sur l'écran, par exemple, une petite incohérence entre les garde-corps et les balcons. Ça, c'est géométrique. Après, ce n'était pas notre rôle de dire ce qui n'allait pas, c'est juste de pointer la partie qui paraissait incohérente. Donc c'était à la fois géométrique, mais c'était aussi sémantique, c'est-à-dire qu'on a pu contrôler évidemment l'ensemble des propriétés portées par les objets BIM, que ce soit murs, fenêtres, garde-corps et autres, pour s'assurer qu'ils portaient les informations suffisantes ensuite pour les entreprises, de manière à qualifier et à quantifier les ouvrages. Donc ces sujets ont été largement documentés sur la plateforme et puis attribués aux différents acteurs de manière à ce qu'ils puissent retrouver ces sujets directement dans leur outil de maquette grâce aux différentes intégrations proposées par BIMTrack et les autres outils de modélisation. Donc on a ensuite mené un travail pédagogique avec les différents acteurs afin afin de préciser les attentes liées aux remarques qui avaient été détectées précédemment, c'est-à-dire que lorsqu'on demande à ce que la classification soit correctement renseignée, on a vérifié, bien entendu, avec les différents acteurs qu'ils savaient comment intégrer cette classification dans leurs outils, au travers de leur outil de maquette et de l'export IFC. Donc on a mené un certain nombre d'ateliers de ce type-là, principalement sur Archicad, mais pas que. Ces sujets-là vont être détaillés après-demain par François, donc jeudi 4 mars, donc par l'atelier qu'on fait sur le sujet avec François Favier, qui va détailler pardon, à la fois les exports IFC, la classification, enfin différents sujets hein, tels qu'on a pu les croiser. Ici, par exemple, l'intégration des propriétés CCT de numéro de lot et numéro d'article dans des objets qui servent à la fois dans les livrables 2D, donc en plan pour documenter les plans, mais aussi dans les maquettes 3D. Ou ici, par exemple, la manière dont on intègre une classification et on lie la classification Archicad à son export IFC. Donc tout ça, on verra ça, les actions menées de ces ateliers très ponctuels.
En conclusion, et avant de passer aux questions-réponses, on a pu constater une montée en compétences de l'ensemble des acteurs qui était extrêmement efficace dans ce type d'approche d'action de formation en situation opérationnelle. La situation sanitaire nous a conduit de toute façon à aborder différemment notre pédagogie et l'accompagnement des utilisateurs. Et finalement, c'est quelque chose qu'on gardera parce que ça a été vraiment un point très positif dans l'excellente acquisition de compétences qui a été faite par les acteurs. On retrouvera d'ailleurs, lors de tables rondes qui auront lieu au mois d'avril, le témoignage des différents acteurs sur ce sujet-là, qui pourront donc vous faire leur retour d'expérience sur le projet en BIM, mais surtout sur l'accompagnement qu'on a pu mener. Donc, nous avons fait finalement naturellement converger notre expertise pédagogique et notre expérience des nouveaux métiers de l'architecture, notre activité de service BIM, telle que l'assistance BIM à maîtrise d'ouvrage ou le BIM management, corrélée à nos activités historiques d'accompagnement et de formation, se sont finalement révélées particulièrement adaptées pour la mise en place d'un premier projet BIM, et ce pour l'ensemble des acteurs. Merci pour votre participation. Nous allons consacrer du temps pour répondre à vos questions et de manière à maintenir l'interactivité de la présentation. Vous pouvez donc envoyer vos questions avant vendredi 12 mars à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc au olympi@abven.fr, et vous recevrez donc un lien pour accéder aux vidéos très prochainement. Merci beaucoup, à bientôt.